Je m'appelle Alain Lacoste et je suis maire de ce beau village. Voilà, donc je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux. On s'y attendait un petit peu. On avait dit à peu près 2000 personnes, donc on a essayé de gérer tout ça. On n'a qu'une petite salle polyvalente, on n'a pas de salle de cinéma, c'est un petit village sans grande prétention, mais on est quand même très très heureux de recevoir en avant-première nationale, disons, ce film. Je crois que c'est historique, c'est complètement historique pour notre lieu, pour notre village. Donc, je voudrais aussi adresser des remerciements aux gilets jaunes du. Alors, on a mis Carrefour, je crois qu'on a mis au rond-point, de Millet à Aubenas, parce qu'ils m'ont rendu beaucoup de service, hein, ils ont été énormément présents pour la logistique, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, je veux remercier les co-réalisateurs, Gilles Perret, qui n'est pas là parce qu'il présente ailleurs, et François Ruffin, qui est présent, qui nous fait l'honneur d'être là. Le conseil, c'est de donner ce que l'on peut. Hein, on donne pas ce que l'on veut, mais ce que l'on veut. Si vous êtes riche, donnez beaucoup. Et si vous n'êtes pas riche, vous passez, vous n'allez même pas avoir honte. Hein, quand on n'a pas les moyens, on ne donne pas et on rentre. Voilà. La culture, c'est pour tout le monde. Je vous souhaite un bon film. Je dirais juste un petit mot. C'est que pour moi, pour lever toute ambiguïté, c'est pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est même pas un film sur les Gilets jaunes. C'est un film sur des hommes et des femmes qui ont revêtu le Gilet jaune. Si vous voulez avoir plus de discussions, eh bien, on se retrouve dehors. Après pour discuter du film, comme ça on libère la salle le plus vite possible pour que tout le monde puisse en profiter. Ça vous va ? Très bien. Bon film à vous. Ça va aller ? Ouais, ça va.